Mais salut, on se retrouve avec Evan601 pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter ces différents cakes pour que vous votiez pour le meilleur que je ferai lorsque j'aurai mes 1000 abonnés. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui s'abonnent, tous mes amis, tous les nouveaux abonnés. Je les remercie énormément. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions comme je le dis toujours sur mes lives. Mais voilà, on va commencer. Là, on commence avec un tiramisu. Là, vous voyez tiramisu, c'est un tiramisu au petit beurre. Vous pouvez aussi le faire au boudoir et vous voterez. Là, on voit les fraises. Et ici, du Kinder, là. Ici, on voit bien le chocolat qui est bien fondant. Ici, on voit la deuxième tarte, cake au chocolat. Là, vous voyez aussi des Kinder. Ils sont ici un peu partout. Ici, on voit des fraises aux côtés. Voilà, elle est coupée en deux. À l'intérieur, il y a du chocolat bien fondant. Mais voilà, vous voterez entre les quatre là. Si vous voulez qu'on fasse celle-là, vous dites 1, celle-là 2, celle-là 3, celle-là 4. Comme ça, on va les numéroter. Mais voilà, là, vous voyez un peu celle-là. Regardez, on voit ici les fraises aux côtés. On voit bien le chocolat qui est bien garni partout. Et là, on passe à la troisième, la tarte mocha. Ceux qui ne savent pas c'est quoi mocha, c'est une tarte au goût café. Là, vous voyez, regardez. Ici, on voit la tarte elle est coupée en 4, mais là on voit pas beaucoup parce qu'on a remis des pépites de chocolat là. Voilà, je vous laisse un peu regarder. Ici, on voit les chocolats, on a mis au milieu et un peu sur les côtés. Et il y a aussi même Oreo pour que ça croustille un peu. Mais voilà, ici on voit la dernière tarte rectangulaire au chocolat. Là, elle est vraiment remplie, elle est vraiment très grande. Mais voilà, celle-là c'est très facile. Comme ça, j'écris 1000 abonnés bien au milieu. Ça donnerait bien. Mais voilà, comme je vous dis, choisissez soit la 1, soit la 2. Voilà la 1. Je vous laisse un peu la revoir. Il y a la 1. Et si vous avez d'autres idées, vous pouvez les dire dans les commentaires pour que je la fasse aux 1000 abonnés. On est presque, je pense qu'on est aux 970 abonnés. Je vous remercie énormément, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et ceux qui s'abonnent, je vous rappelle un peu. Laissez un like si vous vous abonnez, activez la cloche de notification, ce qui est très important pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et surtout mes lives, puisque j'en fais beaucoup de lives. Si vous passez sur mon live, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions comme je l'ai dit. Dites ce que vous voulez. Si vous passez, je m'abonnerai à votre chaîne. Voilà, et ben voilà, je vous laisse un peu regarder toutes les tartes et vous voterez. N'oubliez pas que celle-là, comme je l'ai dit, c'est la 1, la 2, la 3, la 4. Ben voilà, si vous avez, comme je l'ai dit, une autre idée de tarte ou tiramisu ou même une recette, je peux faire une recette pour les 1000 abonnés. Enfin, oui. Et dites-moi des idées de vidéos si vous en avez. Là, ça faisait un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais je faisais beaucoup de lives. Là, je vais reprendre les lives peut-être lundi prochain, comme ça, ou peut-être avant, ça dépend. Ben voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Ben voilà, moi je passe de bonnes vacances. J'espère que également vous aussi vous passez de très bonnes vacances. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, jouer, à étudier, à sortir, faire ce que vous voulez. Ben voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notif, ce qui est très très important. Ben voilà, et à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à bientôt.